Toujours aussi spectaculaire, le kayak cross s'apprête à devenir discipline olympique dans quelques jours à Paris. Le Stade de Vif de Pau a accueilli cette semaine des entraînements entre des membres de l'équipe de France et des adversaires étrangers. Ils vont quand même se donner parce que c'est l'occasion de retrouver des adversaires qui vont avoir au jeu et de voir un peu, comprendre un peu comment ils fonctionnent. Donc on va faire de la confrontation directe 4 par 4 en essayant de reproduire ce qu'on trouve en compétition. Donc on a invité quelques étrangers qui se préparent ici, comme le site olympique est pour l'instant fermé. Il y a du monde qui est venu d'Apo. Donc on va profiter de ça pour faire de la confrontation directe. Ouais. À 37 ans, Boris Neveu, lui, est lancé vers Paris. Le Bigourdan, palois d'adoption depuis de longues années, vise une médaille. Non retenu en kayak slalom, il a décroché ce ticket olympique en cross et arrive en pleine forme. Ça fait du bien de retrouver un petit peu d'adversité parce qu'effectivement, il faut des deux. Il faut trouver le bon équilibre entre s'entraîner tout seul, travailler ses bases techniques, un petit peu de physio, de muscu, et aussi travailler la confrontation parce qu'au jour de la course, c'est quand même ça qu'on va avoir. Donc effectivement, une journée comme ça fait vraiment du bien. Demain, on a la même chose, donc allez, hein, à fond. Ne vous fiez pas à son sourire, à 23 ans, Angèle Hugues a appris à se battre en kayak-cross et elle aime ça. C'est plus dans la confrontation, vraiment avoir envie au départ, vouloir se confronter. Il faut quand même garder la navigation, c'est quand même bien technique pour faire avancer le bateau par rapport aux autres concurrents. Ses entraînements sur Pau, là où elle vit depuis le lycée, c'est une vraie bulle d'oxygène. La chance qu'on a, c'est qu'on est à la maison, c'est plus calme, même s'il y a du monde au bord aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment chez nous, quoi, et on se sent vraiment chez nous, en dehors de voilà, tout le bouillon qu'il y a là-haut. Et par contre, on va y monter vers le 20-21 juillet, et là, ce sera vraiment l'entrée officielle. Et là, je pense qu'on va beaucoup ressentir le début de pression, mais c'est ça qui est cool aussi. Et dans une équipe de France très ambitieuse, les deux Palois ont de vraies chances de podium à Paris.